on commence avec une nouvelle boisson aux États-Unis. Et oui, c'est un nouveau breuvage pour le petit déjeuner dont nous a parlé Télématin hier sur France 2. Et vous allez voir, ça a l'air délicieux et puis alors très léger avec ça. La nouvelle tendance, c'est le café au beurre, William. Oh. 3 millions d'adeptes déjà aux États-Unis. Ça s'appelle le Bulletproof Coffee. Bulletproof, ça veut dire gilet pare-balles. Lui, c'est son créateur. Il commence à gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Il s'appelle Dave Asprey. Il a essayé de mélanger du beurre, de l'huile et du café. Il s'est rendu compte de plein de bienfaits. Notamment, il dit que ça stimule votre concentration. À mon avis, ça stimule surtout le transit intestinal, le café au beurre. Hein. C'est pas mal, sinon, avec des tartines de Saint-Doux aussi. Hein. Je pense que là, ils vont... Ouais, c'est bien. Ils vont résoudre leur problème d'obésité, en tout cas, aux États-Unis avec cette, cette nouvelle mob. Petit déjeuner équilibré, donc. Ça dit au moins une vertu à ce genre de régime alimentaire. C'est que si vous donnez ça à des personnes âgées, du coup, les acheteurs de maisons en viager, eh ben, ils récupèrent plus vite leur maison. Hein. Bah oui, il leur arrive pas la même mésaventure qu'à cet homme vu chez Laurent Ruquier sur France 2. Je peux parler en connaissance de cause. J'ai acheté un viager, ça a duré 31 ans. Ah oui ? À Montmartre, bon, j'ai fait une belle affaire, mais c'était sur deux têtes. Et le monsieur, quand têtes. Il est décédé, je pensais que madame elle allait suivre derrière. Oh, elle est restée 25 ans. Un jour, je reçois un coup de téléphone au bout de 31 ans. Dit, je suis la belle-fille de madame le maître. Belle maman vient de décéder. Je sautais dans mon appartement de jour. Oh, quelle horreur ! Mais c'est affreux ! Cette dame, je la respecte beaucoup parce qu'elle était vraiment très gentille. Et tous les ans, je lui souhaitais mes bons vœux. Ah, oh, bah oui, on imagine bien comment. Hein, il lui offrait des chocolats à l'arsenic. Mmh. Hein, il la sortait aussi à Montmartre, je crois. Il vous allez faire des montées, descentes, des marches, histoire d'accélérer les choses. 31 ans, vous imaginez ? 31 ans à payer pour rien. Ouais. J'en connais un qui n'aurait pas supporté ça. C'est ce charmant monsieur auquel Confessions Intimes a consacré un sujet, car il souffre d'un léger problème d'avarice. Mais alors, très très léger, hein, le gars, on est quand même à compter les quenelles dans les boîtes de conserve pour être sûr qu'il n'en manque pas une. Hmm. Moi, un jour, j'avais pris une boîte et je les ai ouvertes. Il n'y avait pas le nombre de quenelles, il manquait une quenelle. Et quand il s'agit de champignons, il utilise les grands moyens en les égouttant afin de contrôler le poids sec. Il y a 15 grammes qui manquent sur le poids total. Alors, comme d'habitude, Michel n'hésite pas à appeler le service clientèle du magasin dans l'espoir de se faire rembourser. Oui, bonjour madame, je vous téléphone parce que j'ai acheté du riz long grain et par curiosité, je les ai pris et j'ai pesé les 4 sachets. C'est ça, juste par curiosité. Pas du tout par névrose. Hein. Remarquez, c'est bien parce que s'il passe ses journées à compter les graineries hein, dans chaque sachet, au moins ses journées doivent passer assez rapidement. Il faut savoir quand même qu'il pesait également la boîte de conserve pour soustraire le poids de la boîte ensuite au poids de la quantité. Peur, ouais. Tu te rends compte qu'il y a peut-être une bonne femme qui vit avec ça. Non, je pense qu'il doit être seul justement. Hein. À mon avis, vous trouverez donc ses coordonnées sur grosdésœuvré.com hein, ou j'ai une vie toute pourrie.com. Mais vous êtes injuste, peut-être. Mais venez, ça aussi peut-être qu'il y a un sens très développé de la. Vous comptez les quenelles aussi, Stéphane. Oui, c'est un sens de la justice. Manuel Valls a compté les quenelles pendant un moment. C'est ça. C'est bien pour ça qu'on fait sur Zatim le consacrer un sujet. C'est parce qu'ils ont senti que c'était un homme très équilibré. Il y a des coups de gueule utiles. Oui, et puis il y a le coup de gueule de Laurent Veil, journaliste sur Canal+, contre les Daft Punk. Et alors, pourquoi, d'après vous, s'est-il énervé? Parce qu'il trouve que c'est très mal poli, qu'ils n'aient pas enlevé leur casque devant un aveugle. Voilà. Alors, écoutez ça, évidemment, depuis, il est devenu la risée des réseaux sociaux. Hein. Oui. J'en profite d'ailleurs un petit mot pour les Daft Punk. Je respecte mais vraiment beaucoup votre boulot, les gars, mais quand on est sur scène avec Neil Rogers, avec Stevie Wonder, avec Pharrell Williams, essayez, je sais pas, un moment peut-être d'enlever vos masques. Il y a un manque de respect, je trouve, par rapport à la profession. Et c'est limite, si je puis me permettre. Alors, ne venez pas si vous venez. Jouer un peu le jeu quand il y a Steve Wonder qui est un génie, un maître absolu. Ouais, bah ça va, Steve Wonder, il a jamais enlevé ses lunettes de soleil, on n'a jamais rien dit. Hein. Donc on va pas faire deux poids deux mesures non plus. Hein. Ils s'en foutaient de voir leur visage. En fait, je crois que le gars n'a juste pas compris le concept. Hein. Oui. Les Daft Punk sans casque seraient un peu comme Mireille Mathieu sans sa coupe Playmobil. Ça ne marche plus. Mais j'aime beaucoup Laurent, alors. Bah moi aussi. On a tous le droit de faire une petite boulette de temps en temps. Il doit avoir une logique là qui nous échappe un peu. Ça arrive. Vous avez entendu d'ailleurs Mireille Mathieu qui va chanter à Kiev demain soir. Non, elle a annulé, je crois. Vous croyez ? Ah, ils sont contre les armes de destruction massive, finalement. Ah, oui. Elle n'a pas le droit de venir. J'ai eu des informations très récentes. Tu connais très bien Mireille. Je connais très bien Mireille. Il devait faire sa première partie. Elle a annulé Kiev parce que, voilà. Elle ne veut pas se fâcher en de notre allié Vladimir Poutine. Par contre, Bernard Henri Lévy a maintenu toutes ses dates. Toutes ses dates. Il ira. Bon, lui, il est premier à se jeter dans la fosse au lion. Enfin, je peux rien dire, demain soir, il y a le Dombasle. Ah, zut. Ah bon ?
Ouais, mais y a plus, qui est dans, y a plus grand d'ailleurs rapport. Dans la même émission et qui a participé au, à l'album Chanté pour Celle. Exactement. Oui. Ah, elle, elle va chanter demain. Elle chante beaucoup. Bon, on va continuer à parler d'artistes. Hein. Oui. Puisqu'on a depuis quelques jours à la télé... De qui on ne peut pas dire de mal. On a depuis quelques jours à la télé une espèce d'épidémie de mauvaise prononciation de noms d'artistes. Par exemple, avec Laurence Ferrari, Matt Pokora, ça donne ça. Est-ce que tu vas faire un duo avec Matt Pokora? C'est bien aussi. Pour voyager avec nous dans les années 20-30, les tenues rétro dans le style de Fred Astaire, et Ginger Roger. Ouais, Ginger Roger. En fait, c'était un trans, son vrai prénom c'était Roger, Roger Ginger. Il y avait déjà le pour voyager avec nous. Après, on a fait Regard Gingers, mais bon, c'était juste pour c'est faire plus de pas savoir qui c'est. Roger Ginger, on connaît tous. Ginger Roger. Bien sûr, on connaît tous. Racontez-nous la vie de cette chanteuse, danseuse. Oui, voilà. Qui s'appelait Roger. Vous voulez que je vous lance sur la suite? J'aimerais que vous fassiez un peu votre boulot, ouais, s'il vous plaît. Mais vous avez vu comment il parle? C'est assez choquant. On va de la pub avant. C'est assez choquant. Et on termine. Je ne sais pas comment vous pouvez accepter cela. Je ne sais pas. J'ai bon dos. Hein. On termine avec un anniversaire. Bah oui, on va souhaiter un bon anniversaire à Catherine Matoche, c'est la star des infos de France 3 le week-end. Celle qu'ils font tourner en bourrique depuis des années. Hein. C'est elle qui avait vécu notamment ce célèbre moment de solitude. Invité du 12-13, Antoine Godino, ex-inspecteur de la brigade financière du SRPJ de Marseille. Je ne suis pas Antoine Godino. Ah, excusez-moi. Il y a une erreur de personne. Que se passe-t-il? Nous avons un problème. L'histoire du jour. Alors, on me parle dans l'oreillette, si on pouvait me parler plus calmement, je comprendrais. Alors, pardon, nous partons à Cahors. Non, l'histoire du jour, pardon. Eh ben, heureusement que François, ils font pas GPS, hein, parce que sinon, je peux vous dire qu'on leur ferait des détours avec eux. Hein. Donc, bon anniversaire, Catherine, et surtout, courage. Merci beaucoup, Eric. À demain.